Je continue sur cette exploration, hein. Je fais un petit peu ce qui me vient là, de l'attaque et puis de la façon dont on va gérer le volume, hein. C'est le sujet en fait. Donc je suis parti sur une begin. Et puis après, donc ça peut être pas mal de faire effectivement s'entraîner à faire une partie mélodique un petit peu comme ferait une mandoline. Hein. Vous enregistrez ça. En remarquant bien qu'on peut juste faire, en fait, contrairement à l'image du banjo qui vous en met plein la tête, on peut avoir beaucoup de timbres parce que. Selon la façon dont on amortit le son, donc comment est-ce qu'on met le poids, plus ou moins le poids de la main, ouverte ou fermée, en fait, la main ne va pas entraîner la même résonance. Donc quand je fais un petit trémolo comme ça, j'ai encore besoin bah, d'ouvrir la main pour pouvoir la poser un peu sur la peau. Ça me guide. Peut-être qu'un jour je pourrai enlever ça. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a le droit d'essayer de faire quelque chose d'expressif et mélodique avec un banjo, hein. C'est autorisé. Voilà, ça peut être encore une piste de réflexion.